Voilà, une belle longe, t'allonges ton mouvement. Et moi, je profite de ton sillage. Et quand t'es fatigué, tu passes derrière. Mmh. Voilà. Moi, je prends le relais et tu te remets derrière moi. C'est vraiment sportif, quoi. C'est un vrai sport. L'alternative nickel au footing, quoi. Ah, bah, c'est une bonne alternative, ouais. Peut-être m'y mettre, ouais, c'est un des deux. Salut, bienvenue à Carnac. Alors j'ai fait mon petit programme, visite des alignements de menhirs, petite plage, merci, au revoir. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Salut Nicolas. Salut Xavier. Que peut-on faire d'autre à Carnac? Que peut-on faire d'autre à Carnac? Après les alignements, en effet, donc mondialement connus à Carnac, la station balnéaire avec ses saintes plages, qui sont idéales. Voilà, pour la famille, on peut avant tout, à Carnac, profiter du moment. On cultive ici cette notion de bien-être. On est bien à Carnac, on profite. Il fait bon vivre à Carnac en fait, il faut y venir quelques jours, quelques semaines. Quelques semaines, c'est bien. C'est mieux, c'est pratique. Bien. Ouais, c'est justement mon programme d'ailleurs, suivez-nous. Et l'un des meilleurs moyens de visiter Carnac et d'en profiter, c'est avec ces drôles de trucs. Salut Alexandre. Bonjour Xavier. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un gyropode Segway, un véhicule électrique auto-stabilisé qui tient vraiment tout seul en équilibre, donc c'est vraiment accessible à tout le monde à partir de 12 ans. Et c'est pour visiter Carnac, mais on ne peut pas visiter Carnac à pied? Si, on peut parfaitement visiter le Carnac à pied, mais en gyropode Segway, eh bien, ça nous permet de visiter un maximum de choses en un peu moins de temps, et puis surtout, vous partez avec un Morbihanais pure souche qui va vous faire découvrir des endroits un peu inattendus. Allez, vas-y, je te suis. Ça passe partout, hein. Ça passe partout, c'est assez manœuvrable en plus. Et puis alors, on a quitté la ville, ça fait 5 minutes, et il n'y a plus personne, c'est la campagne pure, quoi. Non, en effet, sur les petits chemins, moi je suis assez impressionné, il y a 80 km de chemin sur la commune, on a un terrain de jeu splendide, et c'est très peu fréquenté. Beaucoup de gens pensent à Carnac juste pour la plage, mais non aussi, il y a un super terrain de jeu en pleine nature. Faut quand même faire attention aux branches et aux trous, c'est mieux. Et direction le tumulus, quoi. Exactement, le point culminant de Carnac. Est-ce que tu sais ce que c'est un tumulus, Xavier? Bah, c'est pas là où ils enterraient les morts, non? Ouais, c'est un grand tombeau, hein, qui fait quand même 12 mètres de haut, 130 mètres de long, 60 mètres de large. Voilà, ce monument, il a plus de 6000 ans. Et en fait, le tombeau, il a été découvert par un archéologue carnacois. Ce qui est assez sympa, c'est que, pour la petite histoire, sa maison était juste là, on voit la silhouette, hein, c'est Zachary le Rouzic. Une grosse maison. Ouais, une belle petite maison. Son arrière-petite-fille en a fait un hôtel. Et juste devant la chapelle, il a creusé un puits. Et en effet, son hypothèse s'est avérée bonne parce qu'il est tombé sur le tombeau. On dit que c'est un roi et une reine du sel parce qu'ils ont trouvé un collier. Ce collier avec des pierres précieuses qui proviennent d'Italie, qu'on ne trouve qu'en Italie. Donc la personne qui était enterrée en dessous avait un rayonnement très très important. C'est pas juste à l'échelle locale. Tu nous fais découvrir des vues de dingue, quand même. Regarde ça, cette super belle vue sur toute la baie de Quiberon. Et juste devant l'isthme, on voit un bras de mer hein, là, comme, qui s'enfonce dans la terre. Donc ça s'appelle l'Anse du Pot. C'est là où sont concentrés tous les ostréiculteurs de Carnac, où on va souvent, d'ailleurs, avec nos clients, pour leur faire découvrir nos excellentes huîtres. En Segway, forcément. Tout à fait. Bon, d'ailleurs, je vais profiter du Segway moi, pour aller rejoindre la côte. Je crois qu'on teste le longe-côte tout de suite. Et on a retrouvé Johan, salut Johan. Salut. Et avec lui, on va se mettre à l'eau, on va faire du longe-côte, c'est ça? Voilà, exactement, ouais. Bon, le longe-côte, on longe la côte, quoi. Bah, c'est pas beaucoup plus compliqué, ouais. On va chercher à marcher, faire des grands pas au niveau des jambes et c'est des bras pour se propulser. C'est un peu sportif, quand même. Oui, c'est le but, ouais. Une vraie activité physique à part entière. On profite de la résistance de l'eau pour forcer un petit peu ses mouvements. Et puis, du plan d'eau, quoi. Bah, go, dans l'eau. En avant, c'est parti. Quand un pied pose au sol, la main posée, elle entre dans l'eau. Tu sais que la coordination, c'est quand même pas mon truc. Et ça se voit puisque t'es à l'envers. C'est bon, hein? Ouais, nickel. Allez, tu te penches en avant et on pousse bien dans les jambes. Tout le monde peut faire ça? Oui, c'est vraiment ouvert à tout public, hein. Des enfants à partir de 12-13 ans. Je sais pas, les plus anciens que j'ai eus devaient avoir plus de 80 ans. D'accord. On se sent bien dans les jambes, on se sent bien dans les épaules. C'est ça que ça tire, ouais. Ouais, c'est vraiment sportif, quoi. C'est un vrai sport. C'est ça, ouais, vraiment une activité très complète. On profite de la résistance de l'eau pour forcer, donc il n'y a pas d'impact, pas de blessure.
Allez, je te laisse continuer. Bon, on finit par une petite course. Allez, challenge. Allez, go. Essaye de me rattraper, surtout. Ouais. Après l'effort, le réconfort, vous commencez à me connaître au programme visite d'un chantier ostréicole et puis dégustation aussi, bien sûr. Salut Émilie. Salut Xavier. Alors tu produis là-bas et puis vous vendez vos huîtres en vente directe du coup. Voilà, on vend aux particuliers qui visitent notre région et aux hôtels et aux restaurants également. Donc on propose d'autres produits complémentaires qu'on a en dégustation. Et puis là-bas, c'est pas des huîtres. Et là-bas, c'est pas des huîtres. C'est des gros trucs. C'est des gros crustacés qu'on a principalement sur nos côtes bretonnes, donc les petits tourteaux. Petits tourteaux, ils sont énormes. Un gros homard. Il est pas content, il t'a mis de l'eau partout. Il m'a mis de l'eau partout. Et puis il y a des petites araignées qui viennent que d'ici. C'est un peu une histoire de famille, je crois, non? Oui, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur. Donc c'est la sœur de Maxime. Et du coup, on bosse tous les quatre. Et son ami bosse aussi là. Ouais. Tout le monde bosse là, quoi. Tout le monde bosse là, on se quitte plus. C'est ça. Et puis alors, production et puis dégustation. Ouais. Maintenant, c'est enfin l'heure, dans un cadre exceptionnel quand même. Ouais, c'est un super cadre. On est dans l'Anse du Pô. Il faut venir deux fois, au moins dans la semaine. Au moins deux fois. Ouais. À marée haute, à marée basse. Exactement, il y a deux paysages différents. Xavier, tu coupes bien le pied, parce que c'est le meilleur de l'huître, ce que les gens ne mangent pas d'habitude. Yes. Tu la retournes et on peut. Et on trinque. On trinque. Santé. Santé. Ça t'a plu ? Mais elles sont trop bonnes. Et le temps de finir le maître d'huître, on se retrouve dans le prochain épisode au pays des Rohan et du lac de Guerlédan. Merci Émilie. Pas de problème, Émilie. À bientôt.